Sans surprise, Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, une démission qu'il a voulu annoncer solennellement sur le perchoir. Guillaume Soro qui a refusé de se rallier au parti du président ivoirien, le RHDP. Âgé de 46 ans, Guillaume Soro présidait l'Assemblée nationale depuis 2013. Il avait été auparavant le premier chef du gouvernement du président Alassane Ouattara après son arrivée au pouvoir en 2011. Les détails de cette journée avec notre correspondant Iwen Gourlet. Guillaume Soro voulait faire les choses en grand. Son discours était très attendu ce matin. Le périmètre du Parlement avait même été bouclé par les militaires et aucun ordre du jour n'avait été annoncé. Le chef de l'hémicycle a décidé de partir tout seul devant l'ensemble des députés ivoiriens, la presse et le public qui étaient venus nombreux. Je vous propose de l'écouter. Rassurez-vous, chers collègues, je demeure serein tout en quittant ce poste aisé de président de l'Assemblée nationale pour l'aventure de mes convictions. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. La séance a duré 30 minutes à peine. Vous l'avez vu, le vice-président du RDR était très calme. Il a décidé de suivre ses convictions plutôt que le parti unifié de la majorité conduit par Alassane Ouattara. Quant aux élections, il n'a rien annoncé, mais il pourrait être un candidat sérieux, ancien chef de la rébellion, ministre d'État, Premier ministre et numéro 2 de l'État. Son parcours est impressionnant, mais la rupture entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro semble consommée. Le président aurait même essayé une dernière fois de convaincre Soro de rejoindre le parti unifié, mais en vain. Et sur ce dossier, notre invité, bonsoir Mamadou Touré. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole adjoint du RHDP, porte-parole également adjoint du gouvernement ivoirien. D'abord, est-ce que vous confirmez ce que notre correspondant vient de dire? Alassane Ouattara a tenté une dernière fois de raisonner Guillaume Soro? Le président Alassane Ouattara a estimé que Guillaume Soro a été élu d'abord en tant que RDR en 2013. Il a été élu en tant que RHDP en 2016. Et à ce titre, il a eu le soutien de l'ensemble des députés du RHDP pour être à la tête de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive, avait donné son accord au président Alassane Ouattara pour faire partie du parti unifié, puisque par l'entremise du ministre Konaté Sidiki, il avait promis envoyer ses documents en qualité de membre fondateur, ce qui ne s'est pas passé. Le président a estimé que la famille naturelle du président Guillaume Soro est conformément à ses engagements politiques ces dernières années, c'est au RHDP. C'est un coup dur pour le président Alassane Ouattara? Non, pas du tout, pas du tout. Et le RHDP? Non, pas du tout. Nous pensons que le jeu politique a besoin de clarté. Guillaume Soro l'a exprimé lui-même. Ses convictions politiques aujourd'hui ne sont pas conformes au RHDP. Vous savez, dans tous les pays au monde, dans toutes les démocraties au monde, le président de la Chambre parlementaire est issu de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, la majorité de notre Assemblée nationale, avec près de 164 députés sur les 252 députés, est du RHDP. Il était tout à fait logique que le président de l'Assemblée nationale soit issu de la majorité parlementaire. À partir du moment où Guillaume Soro ne se reconnaissait pas dans cette majorité parlementaire, mais c'est une logique qu'il rende sa démission et que le RHDP élise un président de l'Assemblée nationale, issu donc de la majorité. Guillaume Soro reste quand même une figure importante, ou restée, on va peut-être parler au passé, une figure importante de l'entourage de Alassane Ouattara. Notre correspondant rappelait son CV. Est-ce qu'à un an d'une présidentielle, vous avez une figure pour mener le RHDP aux futures élections? Le champion, le chef du RHDP aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara, qui travaille à consolider le RHDP. Vous savez que nous sortons d'une élection locale qui a clairement donné une majorité au RHDP. Plus de 60% des élus de l'ensemble des deux élections, élection des maires, élection du conseil régional, viennent du RHDP. Nous sommes la seule formation politique à avoir eu des candidats et des élus sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le président pense que c'est dans l'union des enfants d'Oufo-Boigny et le rassemblement des Ivoiriens que nous pourrons y aller, mais nous le ferons avec ceux qui partagent notre conviction et qui pensent comme le nous... Le travail va s'accélérer en vue de la présidentielle? Non, mais qui pensent comme nous que la stabilité, la paix sont le socle sur lequel donc, le développement doit se poursuivre. Pour les élections de 2020, en tant que première formation politique en Côte d'Ivoire, au regard des élections, des résultats des élections passées, le RHDP est très serein. Nous remporterons les élections de 2020 au regard donc des résultats obtenus aux élections locales. Une autre actualité qui marque aussi la Côte d'Ivoire, c'est cette question
où va aller Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ont été libérés sous condition la semaine dernière. Ils sont sortis de leur prison aux Pays-Bas. Charles Blé Goudé n'a toujours pas de pays d'accueil. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait l'accueillir? Écoutez, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo continuent d'être sous procédure à la Cour pénale internationale, comme vous l'avez indiqué. Cette Cour pénale a elle-même défini les conditions de leur libération et, entre autres conditions, les aspects liés à leur pays de résidence relèvent du greffier en chef de la CPI. Nous n'avons pas de commentaires particuliers sur les procédures internes à la CPI. Ni même sur un retour probable de Laurent Gbagbo? Écoutez, à partir du moment où la CPI a confié au greffier en chef de la CPI les initiatives sur leur situation, je pense qu'il faut laisser le greffier en chef. Donc, mais vous savez que les Ivoiriens veulent savoir, c'est la question de la population, que ce soit du côté des victimes ou des proches de Laurent Gbagbo durant cette crise post-électorale. Oui, certainement, et vous l'avez bien indiqué, oui, il y a des Ivoiriens certainement qui voudraient que Charles Blé Goudé ou Laurent Gbagbo puissent rentrer. Il y a aussi, veulent savoir, j'ai dit. Non, il y a aussi, vous avez dû remarquer, depuis bientôt plusieurs semaines, toutes les semaines quasiment, nous avons des manifestations des victimes à Abidjan contre la libération ou le retour donc, de Laurent Gbagbo. C'est pour cela que nous disons que c'est une situation qui ne peut pas être traitée aussi facilement et qu'il faut s'en tenir aux procédures définies par la CPI et rester dans les limites donc, définies par la Cour pénale internationale. Merci Mamadou Touré. Merci de nous avoir invités. Merci.